Bonjour Cordobil Mayombo. Bonjour mon frère. Cordobil Mayombo, vous avez dit mon corps est doyen parlementaire de vous, mon corps est président parlementaire de vous, la République démocratique du Congo. Le Togobet a mentionné ce côté de la politique et la République démocratique du Congo. Tout ce temps, mes condoléances, parce que vous avez dit que mon corps est bana et la bine parlementaire de vous, à terme de moi, Kebano, mes condoléances, président. Merci beaucoup et ça nous a laissé avec beaucoup de tristesse. Un combattant d'élite qui nous quitte. Pendant l'année électorale, c'est vraiment pénible. Tout le acte, il y a vraiment la générosité. Pas mon nom, beaucoup de gestes Kabouya, le 0R, et la famille, ou Bakoufeli, moi, la Bango Kebano. Comment vous avez trouvé ça? Non, il y a Zakatata Boboto. Donc, si ça dépendait, et donc, si c'était un problème d'argent, Kebano n'allait pas mourir. En tout cas, Augustin Kabouya l'a pris en charge, donc totalement. Donc, il était pris en charge totalement par Augustin Kabouya Chilumba, que je félicite en passant. En tout cas, il a démontré qu'il était le père de famille, puisque Bano, s'il est mort, c'est la volonté du Très-Haut. Sinon, il était pris en charge totalement. Et ça nous a laissé avec beaucoup de plaisir, donc des blessures. Merci beaucoup, Cordobil Mayombo, Totoni Famille, ou à éprouvé mes condoléances, n'a pas une politique naïve. Moi, pour Cordobil Mayombo, tout le monde est sur le côté de la réunion de la CDP, aussi pour les Ganakati à Congo central, ou si vous décidez, moi, pour faire toi, tu sais que tu es comme candidat unique, sans pour autant que les Ganak Congrès te évite, le connaît, ça dit que quand tu es là, tu sais que tu es un candidat unique, sans pour autant que les Ganak Congrès, parce que c'est un congrès. Mais tout le monde est sur le aussi du côté de la message aussi, comme il y a parlementaire debout tout au bazar na probabilité à quoi bako postuler en 2023 bazar libre bako postuler stratégie wana est-ce que ils ont la stratégie moi te prendre quoi bako ça des autres na parti ou ton dengenin peut-être peut-être dessus sur côté la 108 coupé ça man à niveau à Boka Ituri ou à gouverneur militaire ou présent à l'Assemblée provinciale ainsi qu'interpellé par l'autorité à la République du Congo, pour la pour le gouverneur à Lubu Kachama, au lieu de sécuriser la ville, tout, la province, et à Zoé Bandegini, à Koulukambo, à Katia, province. Et tout, on analyse ensemble sur réellement que c'est vraiment ça. Je suis beaucoup accordé avec Mayombo, Mbote Lissousou. Mbote, mon frère. Je suis beaucoup accordé avec Mayombo, tout le monde a dit que nous. Mobimbo oyo ba IDPS ba siko sta na katambo ko concentrer pour yeba ko pona moko ya moya bokitania mwana mboka wa kwenda na kati ya CDP to siko mona paka misiko ba ko lisusu mokitana bibite komi siko moya ko designer mwana mboka fi to tiket comme candidat unique na kati ya IDPS mwana mboka qu'est-ce que cela veut dire bon de toute façon yo le vu que l'équipe na congrès te mais CDP et ça garde ko la moi mini congrès aussi le congrès. Mais il parle de la congrès, tout le monde est congrès, mais comment est-ce qu'il y a un peu de temps? Il y a une composition. La composition est une composition. L'exécutif est un mouvement. Tous les fédéraux sont tous les mandataires sont là. Les ministres sont là. Les ministres sont 5 personnalités par province sont là. Ils la congrès. Peut-être que c'est ceux qui sont peut-être de l'extérieur qui n'ont pas été conviés. Mais bon problème il y a candidat unique il y a Félix Antoine Tshisekedi nani mususu alinga ko se président mais c'est comme si imposer il dépasse à imposer comment bah oui ko imposer bah imposer parce que mususu va contredire on va le dire comment bah oui ko imposer biso Tshisekedi comme candidat unique parti mon ambo ko fait que na konga ma pone mais ça dans la carte parti mais mon dozolo bandengo wana lo ba ya za mutu ayi dépasse azamutu ayi dépasse il y a eu aussi d'autres irrégularités qu'il fallait régulariser na réunion wana au moins il n'y a pas que ça va désigner ba pesi mandat na Augustin Kabouya il y a déposé ba liste il y a ba candidat UDPS na ba échéance zoya puisque en principe nani wana option wana c'est que nani levete ça pouvait être combattu ainsi de suite et que CNDP il fallait enlever option wana il n'y a pas que ça il y a aussi ba fédéraux ebélé Bazali nommé, Bamusuba DGIA, Bamusuba Bourgmestre, Bamusuba maire de la ville, tout ça, poste Nyonso, ils ont dit qu'ils allaient incompatibles. Donc, à Zupem Pifolisusu, il y a qu'on nommé.
Donc il a le pouvoir maintenant de nommer les remplaçants de ceux qui vont partir. Donc moi je trouve que non, c'est une bonne affaire. Donc là il n'y a pas du tout de soucis. Donc j'encourage cette initiative puisque yebi congrès tant autant à congrès wana. Et alors là, le congrès tout le monde va partir me soutenir puisque UDPS c'est un parti national. C'est un parti vraiment à dimension internationale puisque n'amboka nyonso okende au Rosanga kokuta na la fédération UDPS, la UDPS, la section UDPS, ils allaient partout à travers le monde. Voilà la différence qu'il y a entre l'UDPS et d'autres formations politiques. Donc les Gambouana, ils allaient dans Gomabete, ils allaient que tout comme ils vont bien. Donc, d'autre part, CDP, ils allaient au Colamini Congrès au sein du parti. Oui, ils allaient regrouper l'organe d'union statutaire, donc on va se retrouver avec nous. Les agneaux, non, violence, c'est pas texte. Mais non, il n'y a pas un texte qui interdit la réunion, donc on parle du congrès de CNDP. Mais seulement, je relève, au président Wana, il y a CNDP actuel. Il y a maintenant un IP, ce qui Wana, puisque c'est ce que dit le texte. Ce qui va convoquer déjà l'Assemblée générale de CNDP, c'est-à-dire le mandat, il y a président Wana et Souki, donc on va prendre le président Moussoussou. Il y a la province Moussoussou qui pourra peut-être le succéder. Donc ça, c'est une particularité que je suis en train peut-être de relever, connaissant bien les statuts et les règlements de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci beaucoup, Kodo Bimayobone, et surtout, merci beaucoup à la Kamoïsou Kota. Déjà 5 ans déjà, déjà à la porte. Au Bimbo, le changement de modalité. Dans l'année sur terrain, le dollar, c'est là qu'il est en prix à moi, c'est le document de 220. Qu'est-ce que cela veut dire, mon Amboka, Bimayumbo? Ou il faut que c'est que la maîtrise un pifou à monnaie à République du Cartier du Congo, mon Amboka? Non, c'est le Komoko. Depuis, tu mandat va président comme président. Je pense que Félix Antoine Tshisekedi, c'est le meilleur président de la République démocratique du Congo. D'abord, il a été élu dans des conditions tout à fait particulières. Donc, l'organisateur, il y a élection, à battre Bango, à Bimi minoritaire, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, minoritaire dans l'Assemblée provinciale. Il a tenu tête, puisque personne ne lui donnait la chance de faire même une année ou deux ans. Il a tenu. Et puis, à Betty diplomatie, il y a solo, au Moni. Bitumba ezakinano na kati ya mboka na ba institution alongi yango na ku créer union sacrée de la nation a bezi diplomatie de sous une agression bandi na guerre d'agression donc agresser na biso interne et extérieur donc bandi bitumba na bitumba wana bundi tozu to obtenir levé de l'embargo sur les armes c'est du positif et puis c'est du positif pourquoi il y a eu la gratuité de l'enseignement. Et on vient de financer donc, les 145 territoires. C'est une première. Peut-être dans le financement, il y a 45 territoires. Wana. Ça peut faire bouger aussi. Donc, tout ça, si on a financé ça en monnaie locale, c'est-à-dire qu'il faut faire bouger les dollars. Puisque la plupart des gens, après avoir touché à cet argent, peut-être que Zoluka va changer en dollars, va venir au dollar, ça va créer la rareté des dollars. Et en plus de cela, vous devez savoir que la vie reste la même. Puisque, tout ça qui est dans la période de c'est inflation, mais les gens vivent toujours et les gens vont s'adapter toujours donc à ce rythme-là. Ce sont des choses qui arrivent circonstanciellement. Et ça, c'est le côté. Et ça va passer. Et quand on fait ça, on ne peut pas dire que ça bon, donc là, tu es à 220. Mais ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème puisque Makambouana est à Kambala Nambala. Il n'y a pas que. D'ailleurs, il a lité. Parce que la période de la Covid, la monnaie belle, on connaît la chute de Bango, la livre en Angleterre. Donc, ils ont chuté. Tout le monde a dit que l'Eroa est chuté par rapport au dollar. Il va nous remonter. Makambou est belle, salami.
l'inflation, tout ça. Il y a un problème à la République démocratique du Congo, à travers le monde entier. Donc, on a connu ces problèmes-là. Il y a chute à la monnaie. Tant que nous avons, par exemple, francs suisses, et comme par exemple l'équivalent, même rang que le dollar, c'est pour dire que ça connaît aussi donc la chute de l'inflation. Voilà, c'est un problème mondial qui ne concerne pas seulement la République démocratique du Congo. Mais Bantoundé, Bazagana, appréhension, et surtout nos adversaires, peuvent que prendre ça comme un argument peut-être pour avancer. Mais je sais qu'il y a des réalités incontournables à Tassouki, Batier, Jésus, Place Wana, et Ossana Makaka Bongo. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est le meilleur des présidents, puisque la réalisation, il y a sali dans les 4 ans. Et de passer, na bamsoso yo basali plus de 18 ans. D'abord, un, donc mobilisation des recettes, donc incomparable, puisque le budget, de mon budget, il y a 5 milliards, 3 milliards, et ainsi de suite, mais nous sommes à 14 milliards et demi. Donc, c'est un record exceptionnel. Tomoniawa, quand on a eu 36 000 francs congolais, il y a 250 000. Donc, tel que de veuve et tout ça, va pensionner et boutique. Donc, 30% de fonctionnaires n'y ont pas. Maintenant, il y a un mécanisé. Donc, il a plusieurs points positifs. Son bilan est largement positif. Il fallait qu'on lui donne encore la chance de faire un deuxième mandat, puisque peut-être il fera mieux que maintenant. Merci beaucoup, Kodobi. Les équipes parmi les sujets de préparation, les camoutons ont été aussi à l'aménagement à 144 territoires. Tu l'as dit bien à Kassai, le président qui est en train de Kassai. C'est comme si le président a été très déçu par rapport à Misaï Salim à Kassai. Comment vous avez trouvé la confiance de l'État si vous avez été en train de faire ça? Mais à cause de la déçu à niveau de détournement, comment vous avez trouvé ça? Il y a un monde qui va revenir à Misaï Salim à Kassai la fois passée. Non, Oyebi. Est-ce réellement il y a des détournements au sein des. Sango, il y a Balabala, Namonto a vérifié réellement l'information, et ça a été le cas. Alors, ce montant, ce n'est pas le montant. Aux hommes, le financement. Des 43 millions, et puis ça m'a dit que je retourne à l'université. Non, on peut annoncer 43 millions, peut-être que le financement n'est pas encore arrivé à 43 millions. Donc, d'après réalisation, Matoualion. Peut-être la réalisation, on a utilisé peut-être que 18 millions. Donc, Moussousou, donc, c'est l'un à nous. Donc, c'est assez justifié. Puis, c'est tout le monde qui a dit, ils ont contredit, ils ont avancé des arguments. Pour bien parler de détournement, il faut bien vérifier, donc, à la source, comment est-ce que l'argent est sorti, le financement, les agendas, tout ça. Puis, c'est Moussousou, on a fait des travaux, on a des moyens, on a des propres. Et l'État a eu financer après. Donc, ce sont des paramètres qu'il faut maîtriser avant de parler de détournement. Par là, vous pouvez. Il n'y avait pas eu de détournement au sein des travaux du Kassai, il n'y a pas eu. Non, je t'ai dit que je suis très mal placé au moment où je n'ai pas fait de véritables investigations pour commencer à accuser les gens de détournement. Puisque mon ami, et puis moi qui ai eu mon pépé à Makassi. Après, Namoni et Kenakokita. En tout cas, il va nous démentir, et ainsi de suite. Puisque je sais que c'était monsieur, apparemment, c'est comme s'il n'est pas rigoureux, mais il est très rigoureux. Qui? Le président de la République. Non, il a des qualités exceptionnelles. Il y a une très légèreté dans le sein. Non, s'il y a le détournement, vous verrez que les gens seront arrêtés. Et que les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Antoyo, Bazalaki, affecté Kuna, tant que moi, je suis en train de se faire, je suis en train de se faire, ils allaient bien, puisque c'est lui le mieux informé. Oyo, ma solo, ya bangando, yo, na bala bala. Donc il faut toujours prendre ça avec beaucoup de réserves. Beaucoup de réserves. Mais quand même, à Kassai, quand vous étiez parti là-bas, les travaux avancent? Oui, donc quand vous arrivez au Kassai, il y a quand même une transformation. Donc Kassai s'est transformé puisque c'était une province vraiment délaissée. Mais je déplore seulement
Quand on parle de Kassai, puisque les gens voient plus Mbujima et ainsi de suite, mais il y a d'autres coins dont les travaux n'ont pas encore commencé, même les travaux sur les Gelou. Je donne l'exemple, par exemple, du territoire de Kabinda, de Lubao. Donc, rien n'est fait jusque-là. C'est là où nous devons voir clair s'il y a eu financement, cet argent est parti où. Donc, ceux qui sont chargés à exécuter ces plans-là doivent nous dire comment. À ce moment-là, là où on n'a pas encore commencé, nous devons savoir où est parti cet argent. Puisque, vous voyez, par exemple, sur le terrain, vous pouvez faire, donc puisqu'on commence avec des travaux de faisabilité, ces travaux-là, vous pouvez faire des calculs aujourd'hui et demain, ça se perturbe. Donc, au côté, par exemple, l'érosion, Zaki Mouké, pour ça, l'estimation. Donc, pendant que ça traîne le financement, l'érosion, on a payé, il y a un déjà mené. Donc, tant que le financement est coya, peut-être qu'il faut couvrir les travaux convenablement. Moi, je me réserve des accusations sans vérification. Dès que j'aurai des éléments de défense, je ne cesserai jamais peut-être de vous inviter comme vous avez besoin. Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous inviter pour vous donner la lumière, pour éclairer Banamboka, qu'est-ce qui se passe. On a détourné, non. Donc, le mieux informé, c'est le président de la République, le numéro 1. C'est lui qui sait s'il y a eu détournement ou pas. Et il y aura des sanctions s'il y a détournement. Merci beaucoup. S'il y a détournement, il y aura des sanctions. Président Bimamoto, qui ne bêle bêle koko, comment on a souké, ma soeur, n'a mis son mot à l'élo. Tout peut-être moi, de ce sujet, la vôtre, de ce sujet, le parlementaire de Bouz, de ce sujet, nos gouverneurs militaires, le Bouya Kachama, ou de ce que moi, déjà, dans le site certifié, ou présent assemblée provinciale, à ce qui est Matamongo, ou lié des gouverneurs militaires, à y sécuriser ba Imboka, à sécuriser ba y province, à la province qu'on a, mais à zoom, à zoom, à la mingue, mi intérêt d'argent, veut dire, à l'intérêt mingue, mi mon solo. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Vous avez bien mon combattre banti valet, comment vous tant tangi texte, comment vous avez trouvé cette Makambouan, Manamboka? Comme on est président et assemblée provinciale, donc c'est le parlement provincial. Mango Baza est censé contrôler gouverneur gestionnaire. C'est-à-dire, ce que Monique non, il est devenu affairiste, donc c'est tout à fait normal de dénoncer. Si ce qu'on l'accuse est réel, en tout cas, donc on doit l'échanger, on doit chercher quelqu'un, puisque l'objectif d'un gouverneur militaire, c'était pour sécuriser. L'objectif principal, bien sûr, c'était de sécuriser cette population suite à l'agression, suite à la guerre nous imposée, donc de l'autre côté, par le M23 et le Rwanda, donc en complicité avec la communauté internationale. Heureusement que cette communauté internationale commence maintenant à comprendre, donc les choses commencent à s'améliorer petit à petit. Mais je crains une chose, le déploiement des forces de l'Afrique de l'Est là, moi ça m'inquiète un peu. C'est assez Oui, c'est assez. Dans la Lingaki, M23 se retirer, forces armées de la République est récupérée. Puisque Bantou, on a besoin de j'aime bien Penza. On a peut-être besoin même Bantou. Donc, Balingi va se déployer pour réaliser le plan à Bango. On a besoin de confiance. On a besoin de confiance. Moi, j'avais confiance s'ils étaient venus combattre l'M23. Si c'est pour occuper donc, le territoire qui a été occupé par l'M23, donc je ne vois pas leur importance. Je ne vois pas leur importance puisqu'ils vont entrer dans les. Mais là, on est et spécialement, quand on consomme beaucoup de choses, on a une force régionale. Là, on est position régionale. Ce sont des gens qui sont venus combattre à côté du FADC. Ce que vous avez dit, non, il y a des gens qui ont 23 à se retirer pour occuper Bananiwana. Non, c'est dangereux pour la République. Ça s'engage que Bill Mayombo. C'est ma vision. Je regarde de mauvais œil cette histoire-là. Donc, il fallait, à mon côté, pas de la jumeler les forces armées de la République. Sinon, on a le même rythme à Koyiba, on a le même côté qu'en Rwanda. Donc, nos frères-là sont très rusés. Je ne suis pas d'accord vraiment avec cette histoire-là, moi personnellement.
Merci beaucoup, Dobin. Je vous remercie de ce que vous avez dit, le parlementaire debout, de la présidente, ce que vous nouvelle dit, ce que vous avez dit, le parlementaire debout, à l'IDPS, à la libre, à la postulée en 2023, puis vous avez dit, indépendant, vous avez dit, libre, vous postuler, vous avez soutenir, qu'est-ce que cela veut dire par là? Non. Au moins, nous avons dit, qui encourage le parlementaire debout pour postuler. Va postuler Bélé, puisqu'en politique, ils allaient épreuve de force. Puisque nous ne pouvons pas nous exposer 37 ans durant. Quand je parle de 37 ans, je vois l'âge de Bill Mayombo et le combat que nous avons mené. 37 ans, puisque nous avons eu le mouvement parlementaire de Boko Panza Sango. Et puis, pendant l'opposition, Célil. Dans la section, il y a une sérénité. Sans voyer des pèses, il y a un phénomène parlementaire. Nous arrivons au pouvoir, petit à petit, c'est comme si on était en train de nous négliger. C'est pour cela que je dis, comme les échéances s'approchent, nous devons chercher à postuler nombreux. Mais maintenant, les sectionnaires Moussousso, par leur mégarde, ils ont désigné un candidat. Donc, va parlementer debout les structures informelles, bango va accompagner Bissot dans la propagande. Dans la lubie, non, pas question. Ce qui me dit, ce sont des propos qui fâchent. Tout parlementaire. Mais nous allons avoir marche-pied. Donc, oui, Ndenge va péter, va nous bagager, va nous allons avoir brouette. Donc, nous allons refuser. Nous allons refuser. Je demande et j'encourage tout parlementaire debout, on soit le cas, on a parlement debout, on a le parlementaire debout. De postuler. Ce que je veux dire, c'est que liste, il y a eu des pestés. J'encourage les gens qui ont postulé comme les indépendants, tout en étant à l'IDPS. Puisque nous voulons leur prouver que Bissot, c'est la bantouana campagne. C'est la campagne parlementaire debout. Nous allons aligner par commune un candidat. Provincial, un candidat provincial qui peut se réunir, commune par commune, comme ça la campagne parlementaire debout, le peuple congolais va y avoir le biso mawa. Donc, pouvoir écouter biso dans la séance d'été, tout comme des sous dans l'élection, tout ça dans la séance d'été, en tout cas à ce moment-là, donc les gens ne vont pas nous respecter. Pour ne pas respecter biso, il faut, bah, critères et coquilles, bah, postuler, tout appuyer, bah, même sans argent. Donc, toi, arraché Bango, premier coup, toi, arraché Bango, ville de Kinshasa. Donc, puisque, surtout, plus de la moitié, il y a des députés provinciaux, donc, des parlementaires debout. C'est-à-dire, nous allons prendre même le gouvernorat, nous allons former le gouvernement provincial. Et, donc, ça, le biloko est belé. À ce moment-là, nous serons respectés. Ce qui est là, donc, Balela, Kobondela, on dirait Banamawa, Matomatolo. Donc, Balubi va continuer à Matolo, on va respecter Bissoté. C'est pour cela que nous avons invité à voir l'unité des parlementaires debout. L'unité à l'unisson. Tout ça, la solidarité, Moko, et comme ça, Bango. Bao, nous sommes nommés, il va se contenter de la nomination à Bango. Ceux qui ont été payés pour le bon pour nous faire une campagne d'élection, Liam Bongoana, PSO Énergie, tant que nous sommes sur le terrain, nous allons faire la campagne des parlementaires debout. À ce moment-là, nous serons respectés, tout en étant dans l'IDPS. Awa, nous sommes président de la République. C'est une force à ne pas négliger. Ceux qui ont été payés pour le bon, puisque. Parce qu'il y a un esprit faible, il y a risque d'utiliser le bantou moussous. Donc, à Tchabisson Maboko, tout postulé, tout révolutionné, l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale. Puisque tout ça, par exemple, il y a 16 députés, c'est-à-dire qu'on aura aussi 4 sénateurs. Pas pour 4 sénateurs. Si pour élire un sénateur, c'est 4 députés provinciaux, tout s'organiser, nous pouvons avoir aussi 4 sénateurs. Donc, ceux qui sont dans la province moussous, c'est aujourd'hui pendant. Professeur Moussous, vous avez 4, vous avez un sénateur Moussous, vous avez 4, donc vous avez un sénateur Moussous. Donc ça va vraiment nous arranger.
pour que nous puissions être respectés. Et comme il y a ça, on le baboye, on vient nous poser informel, on le bango, il n'y a pas eu élection. La meilleure méthode, il fallait maintenant poser la sectionnaire, poser la cellulaire, sectionnaire ou fédéral, il fallait des élections préliminaires. Donc, bah, combattant, il y a Cyril Bango. Donc, le bah, président cellulaire va bah, voter président sectionnaire. Le bah, sectionnaire va bah, poni fédéral. Il y a une nomination, il y a une donc va nommer Banankasi, donc va Semeki, Banani. Et puis, les gens qui ont fait la honte aussi de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bah, Kolo Matolo, bah, comme il y a côté qui IDPS, n'abaye quoi dire si capasan ambongo abosanio yo qui ont sacrifié toute leur vie pour toute leur vie donc on a combo et union pour la démocratie et le progrès social de wan nos senga donc ba papa ba maman bilenge ba iba mona que biso nous avons pris des risques tomela bagage la kimogène ba yo ko marcher biso te na bato ba saki mupanzi kuna. Bon, il y a des gens qui ont été nommés, en tout cas, ce n'est pas encourageant. C'est le moment, puisque les gens qui ont été nommés, ils ont été débauchés par les parlementaires. Ceux qui ont été en forme, ils ont été débauchés. En tout cas, je suis vraiment au regret. Ce n'est pas une rébellion, nous restons fidèles à notre hiérarchie. Mais une révolution n'est pas exclue. On peut toujours se révolutionner, puisque nous avons été toujours des révolutionnaires. Nous pouvons toujours nous révolutionner. Donc, il y a Bissombongo, et il y a beaucoup, il y a un peuple congolais. Il y a un peuple congolais, il y a un peuple qui collecte. Donc, il y a un présenté comme Zwandambo, 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 Mbongo, il y a une caution et qui. Au foot, il y a une caution. Tant qu'il y a surtout que. Le peuple est basé sur les cotisations pour qu'il s'y collecte pour postuler. C'est pour dire que vous êtes déjà un élu. Vous êtes dans la campagne électorale pour expliquer le système de fait et chaîne de sécurité à Moulumba. Bongo, ils ont été en train de faire l'État aux Ouaki, ils ont avantage à l'ITP aux Ouaki, au PCP soit en Liango. Mais tout ça, les parlementaires debout. Campagne électorale pour que nous puissions avoir un plus grand nombre de parlementaires debout. Je dis bien, puisque Villa Kinshasa est bien quadrillé par les parlementaires debout. Donc, tout ça, la campagne pour que nous puissions avoir la majorité dans cette ville de Kinshasa. Dans Moutouzou, dans Katanga, Moussousou, dans Bambouchimaï, dans Bandoundoupe, Koutou, si Babenga qui déjà, Baloubi, que non, Bazou Zenabiso, Bakendoukou, Bazou préparé, Koyamba. Délégation parlementaire debout. La province est belle, on va dire déjà que non, tout qui est motivé de façon que tout le monde a déjà qu'on bête à Bilokoana de façon que l'Assemblée nationale, puis l'Assemblée provinciale, la parlementaire debout, parce qu'on a quand même moins repos, parce que tout ça, il y a un peu de qui n'a pas banzete. Merci beaucoup, Dobin Mayombo, qui est un message de Piasouk apparemment, ou lancer des gens qui ont été dans le monde entier. Oui, je pense que je ne suis pas là. Tout simplement, mes condoléances les plus attristées à la famille, à la grande famille IDPS et à la famille biologique de mon jeune frère Kebano Mwamba, dont moi-même je suis artisan de cet homme-là parlementaire debout. Mais j'aimerais tirer l'attention aux gens. Donc, on ne fait pas la récupération politique avec les morts. Donc, puisque les Anabayi, qui Moussousou, va s'amuser, va venir au Négocenga Mbongo, na Kombo, ya Mouéye, peut-être pour Balia, ce n'est pas propre. Donc, il faut respecter. Puis, sur Moussousou, yo, Toléka, dans l'église, le Rola, va témoin de Jova, Biloga Matanga, Koutouna, l'Erate. Mbongo va cotiser pour la moyenne. Au moins, peut-être, Moutalobi, que non, Zombongo, Yosomba Karibina, pour ça, la Moussaloyo, là, peut-être, je peux prendre. Donc, mémoire de Bissou et Zakuna, après ces deux Bissou, Aïbisakondo et Tien Tisekiri Wamulumba, qui est Kotoyo. Donc,
Donc, une préparation savante de la modification des parlementaires de Bourg était planifiée que tant que biso ba doyen ba kolo idéologie tous en un bon moyen. Donc nous allons sauver cette situation là. Donc mon tout moko oya ko ba parlementaire de Bourg na yé de pesa botamina noté. Donc le phénomène va continuer et va persister. Et d'ailleurs yanga souhaite la qui que il fallait revoir, reconnaître les parlementaires debout comme structure d'animation et de mobilisation du parti. À ce moment-là, on pouvait même être fier. Mais quand on ne fait pas l'allusion, donc je suis estomaqué. Merci beaucoup, Kodobi. C'est moi qui vous remercie.